Jésus est vivant. Alléluia! Oh, mes amis, aujourd'hui, jour de Pâques, nous allons vivre un culte ensemble, un culte formidable, où nous allons parler d'espoir. Nous allons parler d'espoir parce que notre cœur a une certitude d'espoir en Jésus. L'espérance. Nous avons tous besoin d'espérance. Laissons-la germer à l'intérieur de nous, laissons-la grandir et la distribuer autour de nous. Imprégnons-nous de ce message que le tout nouveau directeur de CLC Canada, Fritz Joseph, va venir nous apporter. Oui, le nouveau directeur de CLC Canada va s'adresser à vous avec l'espoir. Une couronne est un signe visible de pouvoir et d'autorité. Cette autorité peut être utilisée pour le bien, mais aussi pour asservir et répandre la mort. Il y a 2000 ans, un homme a porté une couronne, a crown, una corona. Grâce au sacrifice du roi des rois, un jour nous recevrons une couronne de sa main percée. Un signe visible de communion dans la vie éternelle. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur la Pâque. Avant tout, je nous invite à la prière. Père, nous venons devant toi en cet instant, comme des vases vides, attendant d'être remplis par ta sagesse, par ta lumière. Car par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions quelle est ta volonté et que ta parole puisse nous édifier. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le texte qui conduit notre réflexion se trouve dans l'Évangile selon Luc. Luc 23, chapitre 55, jusqu'au 24e chapitre, au verset 8. Lisons ensemble. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Portant les aromates qu'elles avaient préparées, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Dans ce récit, nous voyons une situation désolante, accablante, angoissante. Le Messie, Jésus-Christ, vient de se faire crucifier par les soldats romains, soutenu par les détracteurs du Christ de son époque. C'est le panique total parmi les disciples et tous ceux qui le connaissaient. Dans ces moments sombres, nous voyons des femmes courageuses. Malgré les menaces qui pesaient sur les disciples, elles ont voulu tout de même honorer leur cher ami, leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elles ont choisi de se préparer pour embaumer le corps de Jésus. C'était non seulement une pratique culturelle qui faisait partie des moyens de vivre son deuil.
En voulant embaumer les dépouilles du Seigneur, ces femmes ont accepté en quelque sorte la réalité de la mort du Christ. Elles n'avaient pas visiblement d'attente en ce qui concerne un Christ ressuscité. C'est alors qu'elles vont être choquées. Chers amis, nous aussi, parfois, nous avons des attentes qui sont bien en deçà de ce que le Seigneur prévoit pour nous. Dans la parole, nous avons lu dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 24, au verset 1er, « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. » Première découverte choquante, la pierre est roulée. Cet instrument d'obstruction n'est plus. Et elles ne trouvèrent pas le corps. Deuxième choc, la pierre est roulée, premier choc. Le corps n'est pas là, deuxième choc. L'objet de leur angoisse est disparu, de telle sorte qu'elles ont toutes les raisons du monde pour être en panique. Au verset 3, l'auteur poursuit pour nous dire, « Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Oh oui, deux hommes. Et ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Ici, ils sont en train de remettre en question la perception des femmes de la situation. Par la même occasion, ils sont en train de déplacer leur attente. Tout cela dans le but de leur redonner l'espérance perdue et anéantie par la mort. Les hommes poursuivirent en disant, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Et souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Il n'est pas ici, il n'est pas dans ce lieu d'humiliation, il n'est pas dans la posture de défaite, il n'est plus là, mais il est ressuscité. C'est un changement de cap bouleversant. Cette information vient bousculer une fois de plus le monde de ces femmes. Il n'est pas ici. C'est une révélation, chers amis. Le corps du Christ n'est pas là. Il a été déplacé. En quelque sorte, les attentes des femmes ont été déplacées. Leurs attentes défaitistes ont été déplacées. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi quand nous sommes angoissés, quand il vient dans notre vie. Il déplace l'objet de notre opprobre. Il déplace l'objet de notre honte. Et les messagers continuent pour dire, « Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elle se souvint alors des paroles de Jésus. Parfois, quand on est en crise, celle-ci a tendance d'obscurcir notre mémoire et nous faire oublier des informations importantes pertinente ou même effacer le souvenir des bons moments, des moments merveilleux que nous avons déjà vécus. Ces femmes, dans le feu de l'action, avaient oublié la promesse de résurrection que le Christ leur avait faite quand il était avec elles et les autres disciples. Bien-aimés, parfois quand on est en crise, celle-ci a tendance d'obscurcir notre mémoire et nous faire oublier des informations importantes, même pertinentes, ou effacer le souvenir de moments merveilleux qu'on a déjà vécu. Ces femmes, dans le feu de l'action, avaient oublié la promesse de résurrection que le Christ leur avait faite quand il était avec elles et avec les autres disciples. Vous et moi, parfois, quand nous passons par ces temps difficiles, quand nous connaissons des situations angoissantes, nous oublions les bons moment, nous oublions les promesses de Dieu à notre égard. Et ce faisant, nous perdons tout espoir en un lendemain meilleur. Au fond du puits, dans les moments désolants ou accablants, dans les situations anxiogènes, rappelons-nous des promesses de Dieu à notre égard. Dans les situations d'adversité, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls et qu'aussi puissant que l'ennemi peut sembler paraître comme la mort, notre Dieu est plus puissant.
Dans les situations d'adversité, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls et qu'aussi puissant que l'ennemi puisse sembler paraître, notre Dieu est plus puissant que lui. C'est Dieu qui nous a dit dans sa parole que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Quand nous passons par des temps sombres, le psalmiste nous rappelle que dans la vallée d'ombre et de mort, nous ne craindrons aucun mal car Dieu est avec nous. Quand nous vivons par des temps incertains comme ceux d'aujourd'hui, après COVID et les menaces de guerre, le prophète Jérémie nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin. Chers amis, voici la bonne nouvelle de Pâques. C'est que le Christ est ressuscité. Il est plus fort que la mort. Il est vivant. Et par la même occasion, il a renouvelé notre espérance. Cette espérance qui était perdue est retrouvée et renouvelée, non seulement pour ces femmes qui ont appris la nouvelle du ressuscité, mais pour nous aujourd'hui. Bien-aimés, je ne sais pas par quelle situation que vous passez actuellement, où il n'y a plus d'espoir. La bonne nouvelle, c'est que ta situation n'est plus là où elle était. Dieu l'a déplacée vers une fin heureuse. L'objet de ton angoisse a été déplacé. Ce qui produisait les pleurs a été déplacé. Au sein du CLC, nous voulons prier pour vous et avec vous, afin que Dieu déplace l'objet de votre opprobre et qu'il renouvelle votre espérance en un lendemain meilleur, guidé par sa grâce. Car Christ n'est plus parmi les morts, il est ressuscité et en faisant cela, il a aussi déplacé les sujets et les objets de notre angoisse pour nous redonner de l'espoir. Chers amis, que Dieu puisse nous bénir par ses paroles, en sachant que le Christ est ressuscité et que l'objet de notre angoisse n'est plus là où il était, il a été déplacé. Nous savons aussi que notre espoir a été renouvelé. Aujourd'hui, que par ses paroles, que Dieu puisse renouveler sa force, que Dieu puisse renouveler sa vie en nous, de la manière que le Christ est ressuscité, que de nouveaux rêves, de nouvelles visions, de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités prennent naissance aussi dans notre vie, que nous puissions entrer dans une nouvelle saison. Car la mort et la résurrection du Christ est non seulement la fin d'une époque, mais le début d'une nouvelle époque, le début d'une nouvelle saison. Que de bonnes choses puissent prendre naissance dans votre vie, que de bonnes choses puissent être renouvelées, afin qu'ensemble, nous chérissons cette espérance éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que sa paix nous garde et que son amour remplisse notre cœur. Soyons bénis. Amen. Merci Fritz pour ce message d'encouragement. Je voudrais maintenant m'adresser à vous tous qui avez été avec nous durant ce temps que nous avons passé à ce culte de Pâques. Merci pour tous ceux qui ont écrit des messages tout au long du temps que nous venons de passer. Et maintenant, je voudrais vous amener dans une autre dimension. Il y a des besoins réels, concrets, présentement, en ce moment même. Et j'aimerais que nous puissions nous joindre tous ensemble, ici, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, pour prier pour tous ceux et celles qui présentement ont des besoins et qui nous regardent. Joignons-nous les mains ensemble. Prenez la main, les mains de ceux qui sont avec vous présentement. C'est une image d'unité. Nous voulons être unis ensemble pour ceux qui présentement ont des besoins. Au fur et à mesure de ma prière, joignez-vous à elle et intérieurement priez également, intercédez. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Prions. Seigneur, nous voulons maintenant nous mettre devant toi et te demander ta bénédiction pour tous ceux et celles qui, présentement, ont été interpellés par une partie ou une autre de ce message. On veut te demander ta bénédiction. Nous savons que tu es là, nous connaissons ta présence. Pour certains, peut-être, c'est tout nouveau, ou pour d'autres, ça fait des décennies qu'ils marchent avec toi. Seigneur,
toi qui es l'Éternel, toi qui nous as promis de jamais nous abandonner, je veux te présenter maintenant, en ce moment même, tous ceux et celles qui ont les regards pleins d'espoir vers toi, dans des situations où il n'y a que le désespoir que notre vue donne à voir. Quand on regarde à toi, nous savons que tu peux faire renaître les choses parce que tu es le Créateur de toutes choses. Nous sommes tes brebis, Seigneur, et tu prends soin de nous. Merci de ta bénédiction. La Bible nous dit que tu es assis sur un trône de bénédiction. C'est toi qui ordonnes à la bénédiction. Eh bien, Seigneur, tous ensemble, tous ceux qui sont avec moi présentement, nous voulons tourner les regards vers toi et te demander d'ordonner à la bénédiction de descendre sur les uns et les autres qui ont besoin de toi. Nous t'en rendons grâce, Seigneur Jésus, et te bénissons pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Des images difficiles à voir en cette journée de Pâques. Nous avons l'espoir et on veut en donner autour de nous. Il y a des centaines d'ONG un peu partout dans le monde qui se préoccupent de l'aspect matériel et il le faut. Les gouvernements le font, les ONG le font. CLC Canada, nous sommes impliqués dans quelque chose de particulier. Nous nous occupons du bien-être spirituel des gens. Criez à Dieu. Vous l'avez déjà fait, crier à Dieu. Il y a des milliers, il y a des millions de réfugiés présentement qui crient à Dieu. Ce n'est pas une petite goutte d'eau que nous amenons là-bas avec toutes ces choses que nous avons acheminées et les projets qui sont sur la table présentement. Ce sont des vies que nous allons aider spirituellement. Nous avons déjà distribué 150 000 évangiles de Jean. 5 000 Bibles pour enfants sont déjà distribuées, 30 000 sont en impression. Et nous avons 60 000 copies du livre « Bien plus qu'un charpentier ». Vous voulez participer à cet effort? Allez sur notre site clccanada.com, cliquez, le chemin est facile. Chaque dollar est dédié pour ce projet. Il n'y a pas d'administration, il n'y a rien d'autre. Chaque dollar est dédié pour amener les évangiles, les Bibles. Ces ouvrages sont distribués directement par les librairies CLC en Hongrie, en Roumanie et en Pologne. Merci de votre générosité. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une annonce spéciale à vous partager. Notre cher directeur Antoine Auberge part à la retraite. Antoine, qu'est-ce que ça fait de partir à la retraite? Tu sais, Fritz, on parle de la retraite, mais en réalité, y a-t-il réellement une retraite pour un serviteur de Dieu? Je m'en vais vers un autre appel. C'est vrai que mon temps est accompli dans mon travail ici, dans la mission CLC Canada, et j'ai trouvé quelqu'un de formidable pour me remplacer. Merci, et nous disons gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Antoine, combien de temps avez-vous servi au sein de CLC? Le Seigneur m'a convié à me joindre au CLC il y a 17 ans. Et éventuellement, je suis devenu directeur de la mission. Ça fait 7 ans maintenant. Mm-hmm. Ouais. Et pendant ces nombreuses années où vous avez servi dans cette mission, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Bien, les gens en général ne savent pas que à une certaine période de notre histoire, le CLC, nous avons CLC Canada, nous avons passé une période financièrement extrêmement difficile. En fait, nous étions sur le point de déposer le bilan à un moment, au moment où j'ai pris mes fonctions. Et vraiment, quand le Seigneur m'a appelé pour me joindre au CLC, ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est que quand mon mandat sera accompli, que l'organisation soit revenue en santé financière et en santé dans toutes les sphères de l'organisation, au niveau du personnel, etc. Mm-hmm. Et le Seigneur m'a fait la grâce, véritablement, que je puis dire maintenant « mission accomplie ». Amen. Amen. Et Antoine, avez-vous un souhait, une vision, un vœu que vous aimeriez partager, non seulement à CLC, mais à toutes les personnes qui connaissent CLC depuis les nombreuses années que nous existons en tant que mission? Bien.
Depuis nombreuses années que nous existons en tant que mission. Maintenant, ça fera 70 ans dans deux ans que le CLC Canada existe, ici au Canada. Il faut dire que CLC, nous sommes une mission qui est aussi internationale. Nous sommes dans 45 pays présentement. Et chaque pays est uni spirituellement ensemble. On prie les uns pour les autres, etc. Pour le Canada, ma vision que je souhaite léguer, c'est que pendant toutes ces années, ou pratiquement toutes ces années, nous n'avons été que Montréal. CLC Canada, Montréal. Et il est certain que le domaine du livre, c'est un domaine extrêmement difficile. Depuis une quinzaine d'années, c'est devenu encore plus difficile. Et il y a comme un ressac chez les lecteurs. Les gens sont allés lire sur leur téléphone, leur tablette, etc. Mais il y a un ressac. Les gens reviennent à la lecture papier. Il y a eu un très grand vide dans les librairies chrétiennes ailleurs au Canada. À partir de l'Ontario jusqu'à Vancouver, il y a pratiquement plus aucune librairie chrétienne. Et je crois qu'un des mandats principaux qui sera dans ta cour maintenant, c'est de suivre le Seigneur si le Seigneur nous appelle à ouvrir des librairies ailleurs au Canada. Également, un autre vœu que j'ai, qui me tient vraiment à cœur, c'est que nous puissions aller rejoindre les Premières Nations. Nous sommes une mission, et en tant que telle, notre mission, c'est la façon la plus utile, la plus facile de la décrire, c'est de dire que nous devons rendre la littérature chrétienne accessible. Les gens des Premières Nations qui sont dans les régions éloignées, je pense à l'Abitibi, la Basse-Côte-Nord, le nord du lac Saint-Jean, etc., ils sont loin des grands centres. C'est pas facile d'avoir de la littérature chrétienne. Et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, que nous puissions mettre une librairie dans une camionnette et partir pour aller rejoindre les gens qui en ont besoin. Wow! Chers amis, nous avons entendu la vision qu'Antoine a pour CLC, mais aussi nous avons ressenti sa passion pour l'œuvre, sa passion pour la mission. Donc, je nous invite à prier ensemble, à recommander sa vie entre les mains du Seigneur et à rendre grâce pour son service au sein de CLC. Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour Antoine. Merci pour sa famille. Merci pour sa vie, son service et son témoignage. Il a été un outil, un instrument utile pour l'Évangile, pour la mission de CLC sur cette terre du Canada. Père, toi qui l'as appelé à cette œuvre, toi qui l'as accompagné dans cette œuvre, tu es celui qui le précède aussi dans sa prochaine tranche de vie. Éternel, nous recommandons Antoine, nous recommandons ses projets futurs, nous recommandons sa famille et nous recommandons tout ce qu'il fera entre tes mains, Seigneur. Que ta puissance l'accompagne, que ta présence soit avec lui. Père, souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi et que tout soit inscrit, Seigneur, dans ton livre, que son nom soit inscrit dans ton livre et qu'on dira, Seigneur, voici le serviteur qui a travaillé, le bon et fidèle serviteur. Père, nous le recommandons entre tes mains, que ta grâce soit sur lui, que ton amour repose dans son cœur et qu'il soit toujours une bénédiction, non seulement pour nous qui l'avons connu, mais pour d'autres personnes qu'il rencontrera sur son chemin. Seigneur, nous te disons une fois de plus, merci pour la vie d'Antoine. Sois avec lui, que ton amour remplisse son cœur, que ta grâce le couvre et que ta puissance, ta présence l'accompagne tous les jours de sa vie. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je veux en profiter moi aussi pour prier pour Fritz et toute l'œuvre du CLC ici au Canada. Prions encore. Seigneur, nous te bénissons pour l'appel que tu as mis dans le cœur de Fritz et également dans tous les collaborateurs, tous mes collègues, tous ceux qui ont participé à cette œuvre depuis 17 ans, tous ceux que j'ai connus, tous ceux que j'ai vus aussi sur les photos des années 60, des années 70, tous ceux et celles qui ont participé à ton œuvre, Seigneur Dieu, de rendre la littérature chrétienne accessible. Je te prie pour l'équipe actuelle et l'équipe à venir, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent être inspirés, toujours se rappeler que nous sommes ici pour les âmes, nous sommes ici pour les personnes. Je me souviens d'une parole que un de ceux qui a travaillé à la librairie CLC aux Indes pendant une trentaine d'années, même plus, il disait,
Le CLC, c'est comme l'église quand l'église est fermée. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, nous sommes l'église quand l'église est fermée. Combien de personnes nous avons accueilli les larmes, accueilli la joie, accueilli Seigneur Dieu et prié avec elles pour leurs besoins. Merci donc de cette œuvre qui est ici implantée au Canada et un peu partout ailleurs dans le monde. Merci de bénir le présent, de donner la vision d'avenir également pour la continuité. Ton œuvre n'aura pas de fin. Nous voulons donc te dire merci, Seigneur, pour toute ta bonté et ta grâce qui se renouvelle constamment, constamment sur nous. Nous te rendons grâce donc au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous pour votre présence. Merci Fritz. Merci à toute l'équipe qui nous entoure. Et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. À bientôt.